Welcome to the 33rd annual Mayor's Environment Expo. As we come together from around the city, I would like to acknowledge that the Calgary area, where the Bow and Elbow Rivers meet, is a place of confluence, where the sharing of ideas and opportunities naturally come together. Indigenous people were the original caretakers of this land and the first champions of environmental conservation. This land is a home that we all share, and it's vitally important that we protect our home, our environment, by working together. What drives my optimism is seeing the innovation and commitment to climate action from all of you, our students. I will continue to amplify youth voices on the climate crisis, and I look forward to hearing your ideas. I hope this session sparks conversations and encourages all of us to take greater action in protecting our environment. Thank you all for participating. Bonjour, je m'appelle Laurie et je travaille pour Parc Canada dans le Parc national Banff. Pour commencer, je veux vous dire que le Parc national Banff fait partie du territoire actuel des Premières Nations, signataires des traités numéros 6, 7 et 8, ainsi que du territoire ancestral des Métis. Les terres et les eaux du parc sont utilisées depuis des milliers d'années par les peuples autochtones pour leurs activités de subsistance, leurs cérémonies, leurs échanges commerciaux et leurs déplacements. Nous les remercions de leur intendance continue et nous leur sommes reconnaissants de bien vouloir partager ce territoire avec nous. Aujourd'hui, on va découvrir des choses incroyables à propos des animaux sauvages. Et on va lire ce livre, Une belle bonne journée. Avez-vous déjà lu ce livre? Envoyez-moi un message si vous l'avez déjà lu. Avant de lire le livre, on va voir pourquoi il a été écrit. Je travaille à Parc Canada. Ça veut dire qu'en réalité, je travaille pour vous tous. Le Parc national Banff est comme un trésor. L'équipe de Parc Canada doit s'occuper de trésors comme ce parc partout au Canada. Alors, on protège les animaux, les plantes, les paysages, les océans et les lieux historiques, maintenant et pour les générations futures. Et on raconte leurs histoires à des personnes comme vous. Envoyez-moi un message si vous avez déjà visité un parc national ou un lieu historique national. Et voici une carte de notre pays, le Canada. Pouvez-vous me dire où se trouve la province de l'Alberta sur cette carte? C'est ici. Si vous pointez à la partie qui est devenue verte, vous avez raison. C'est l'Alberta. Et le point vert représente la ville de Calgary. De Calgary, il faut environ 1h30 pour se rendre au Parc national Banff, en voiture. Alors, un grand nombre de personnes de Calgary viennent nous rendre visite. Et pouvez-vous nommer des choses qui sont célèbres dans le Parc national Banff? Je vais vous montrer des images à l'écran pour vous donner des indices. Et vous pouvez envoyer vos réponses dans un message si vous voulez. Dans le Parc national Banff, il y a de belles montagnes. Il y a de l'eau sous forme de glaciers, de lacs, de rivières, de neige et de sources thermales. Les visiteurs viennent pratiquer des activités comme le camping, le canotage, le ski et la randonnée. Et on protège toutes sortes d'animaux sauvages, comme des bisons, des loups, des wapitis, des chevreuils, des cougars et des grizzlies. Oui, des visiteurs de partout sur la planète viennent dans le Parc national Banff en espérant y voir les ours. Alors, on a créé un livre d'histoire au sujet d'une petite ours qui s'appelle Ursa et qui vit dans le Parc national Banff. On voulait aider des gens à comprendre ce qu'ils peuvent faire pour qu'Ursa et les autres grizzlies du parc restent sauvages et en santé. Pour que les ours et les humains puissent bien s'entendre,
il faut qu'on partage notre espèce de la bonne manière. Savez-vous combien il y a de grizzlies dans le parc national Banff? Si vous voulez essayer de deviner, écrivez-moi pour me donner un chiffre. Et combien de personnes visitent le parc national Banff chaque année? Écrivez-moi vos réponses, d'accord? Et êtes-vous prête pour la réponse? Eh bien, il y a environ 70 grizzlies et le parc accueille environ 4 millions de visiteurs par année. Wow! Étiez-vous proche de la bonne réponse? Et ça veut dire que pour chaque grizzly qui vit dans le parc national Banff, il y a environ 60 000 visiteurs chaque année. Chaque petit bonhomme représente 1 000 personnes. C'est pour cette raison que la loi de la faune est si importante dans le parc national Banff. La loi de la faune, c'est une série de règles qui permettent aux animaux et aux humains de partager l'espace en toute sécurité. Allons d'abord voir ce que veut dire le mot faune. Le mot faune veut dire animal sauvage. Comment est-ce qu'on fait pour savoir si un animal est un animal de compagnie ou un animal sauvage? Allez-y, tapez vos idées dans un message et envoyez-les-moi. Pour trouver la réponse, on peut se poser des questions comme où est-ce que l'animal habite? Et qu'est-ce qu'il mange? Et avec qui est-ce qu'il aime passer du temps? Alors, la faune ou l'animal sauvage vit dans la nature, à l'écart des humains. Et l'animal de compagnie vit à l'abri dans nos maisons. L'animal sauvage trouve sa propre eau et sa propre nourriture. Et l'animal de compagnie mange la nourriture qu'on lui achète. L'animal sauvage, il vit avec d'autres animaux comme lui. Et l'animal de compagnie, il vit avec les humains, avec nous autres. Alors, si vous pensez à tout ça, diriez-vous que le grizzly est un animal de compagnie ou un animal sauvage qui fait partie de la faune? Il fait partie de la faune, oui. Les grizzlies sont des animaux sauvages qui trouvent leur propre nourriture et qui vivent dans la nature, loin des humains. Regardons maintenant ce que veut dire le mot loi dans la loi de la faune. Les mots peuvent avoir plus d'un sens. La loi peut vouloir dire des instructions qui nous disent ce qu'on doit faire ou ne pas faire. Des règles établies par quelqu'un de puissant, par exemple la reine Élisabeth en Angleterre. Et quelque chose de génial pour nous guider et nous aider à protéger ce qui est important. Et la loi de la faune veut dire toutes ces choses dans le parc national Banff. Il y a des choses qu'on devrait faire et d'autres choses qu'on ne devrait pas faire lorsqu'il y a des animaux près de nous. Les animaux sauvages sont puissants dans la nature. Et la faune est absolument formidable. Et nous avons les lois géniales pour la protéger. Maintenant, on va faire un peu d'exercice avec notre imagination, d'accord? On va s'imaginer qu'on est des grizzlies. Vous avez une fourrure épaisse. Vous êtes très fort. Regardez vos mains. Vous avez des griffes aussi longue et épaisse que vos doigts. Wow! C'est l'hiver. Et qu'est-ce que les ours comme vous font pendant l'hiver? Ils dorment. Les ours creusent une tanière douillette bien haut dans les montagnes et se roulent en boule sous une épaisse couche de neige. Alors,
Imaginons qu'on creuse une tanière, OK? Montrez-moi comment vous hibernez. Comme ça. Parfait. Et pendant que vous hibernez, vous n'avez rien à manger et à boire. La graisse que vous avez accumulée dans votre corps contient toute l'énergie qu'il vous faut pour dormir pendant tout l'hiver. Et maintenant, on imagine que le printemps arrive. Grâce à votre formidable museau, vous sentez l'odeur de la neige qui fond et de la terre mouillée. Ça veut dire que les plantes vont bientôt commencer à pousser et qu'il y aura de la nourriture. C'est le temps de se réveiller, de se lever et de s'étirer un peu des muscles. Montrez-moi comment vous pouvez étirer vos muscles. C'est comme ça. Super. Et saviez-vous que pendant tous ces mois que vous avez passé à dormir, vous ne vous êtes jamais levé pour aller faire pipi ou caca? C'est vrai? Si une humaine essayait de faire ça, il deviendrait très malade. Mais les ours, eux, sont capables de le faire. Vous n'avez pas mangé de l'hiver et vous n'avez plus de graisse. C'est le temps qui arrive l'été. La saison que vous passez à manger. Et quand ils se réveillent, les ours sont affamés et ils continuent d'avoir faim durant tout l'été. Pendant les mois d'été, ils ne dorment pas beaucoup. Ils sont trop occupés à chercher de grandes quantités de nourriture parce qu'ils doivent grossir pour pouvoir dormir pendant notre hiver. Si vous êtes un grizzly, les périodes où vous êtes éveillé sont des périodes où vous avez faim. Les ours trouvent la plupart de leur nourriture en reniflant avec leur museau. Ils ont un museau très puissant, plus de 2000 fois plus puissant que le nez des humains. Les ours vont toujours fouiner là où il y a des odeurs intéressantes, au cas où ce serait quelque chose à manger. Même le dentifrice et le shampoing peuvent avoir une odeur intéressante pour les ours. C'est pour ça que quand on est dans le territoire de l'ours, par exemple dans le parc national Banff, on doit faire très attention avec tous les objets qui ont des odeurs intéressantes, parce qu'on ne veut pas attirer des ours et avoir des problèmes. Je vais vous dire quelque chose de très important. Les ours ont une bonne mémoire. Ils se souviennent des endroits où ils peuvent trouver de la bonne nourriture. Alors, s'ils trouvent de la nourriture dans des déchets qui traînent dans une aire de pique-nique ou sur le bord d'une route, ils vont y retourner pour en chercher d'autres. Si un ours entre dans un emplacement de camping, ça peut être très dangereux pour les campeurs, non? Et c'est pour ça qu'on a une loi de la faune qui vous dit que vous devez ranger toute votre nourriture, même si vous vous éloignez juste pour quelques minutes. Où est-ce qu'on peut trouver un endroit sûr pour ranger nos objets qui ont une odeur intéressante? Un endroit où l'ours ne pourra pas les prendre. Est-ce qu'une tente est un bon endroit? Peut-être une glacière? Non. L'ours peut entrer assez facilement dans une tente et les ours sont capables d'ouvrir les glacières. Et que pensez-vous d'une voiture ou une roulotte à parois rigides? Eh oui. Et même les casiers à provisions? Eh oui, bien sûr. Parc Canada fournit des casiers à provisions à l'épreuve des ours aux campeurs qui n'ont pas d'endroit sûr pour ranger leur nourriture. Alors, on va ranger toutes ces choses
tous les fruits, le pizza et même le shampoing et le dentifrice. Super. Et les déchets? Est-ce que c'est ça qu'on veut voir? Bien sûr que non! Les ours devraient manger de la nourriture naturelle, pas des déchets. On a aussi une loi de la faune concernant les déchets. Il faut les mettre dans une poubelle à l'épreuve des ours, comme celle-ci. Et voici la loi de la faune la plus importante de toutes. Il ne faut jamais donner à manger à la faune du parc national Banff. Peu importe si c'est une jolie petite écureuil, un oiseau ou un ours. Que ce soit par exprès ou par accident, les animaux sauvages qui obtiennent de la nourriture ou des déchets des humains peuvent développer des mauvaises habitudes. Et si ça arrive, il faudra peut-être les enlever du parc. Alors, merci de nous aider pour que tous les animaux sauvages du parc national Banff restent sauvages et en santé. Et maintenant, comme je vous l'avais promis, c'est le temps de vous raconter l'histoire. Une bonne journée! Allons-y! Ursa et son frère Arctos vivent avec Maman Grizzly dans le parc national Banff. Ils passent la journée à chercher des gâteries savoureuses pour se remplir le ventre. En fait, les ours n'ont qu'une seule idée en tête. Manger! Ils ont de grosses dents tranchantes et on pourrait penser qu'ils mangent principalement de la viande ou du poisson. En réalité, les ours du parc Banff ont besoin de manger beaucoup de baies sucrées pour grossir et leur promettre de dormir tout l'hiver. Les ours doivent manger énormément. Maman Grizzly sait que les baies situées bien haut dans les montagnes ne sont pas encore mûres. Elle et ses petits doivent se rendre dans le fond des vallées, là où il fait plus chaud et où ils pourront se régaler. En chemin, les grizzlies trouvent de délicieux pissenlits qui poussent dans un endroit ensoleillé près de la voie ferrée. Les ours sont tellement affairés à manger qu'ils ne s'aperçoivent pas de l'approche d'un train. Le chef de train actionne le sifflet pour avertir les ours. Tchou-tchou! Le bruit fait sursauter Ursa. Elle glisse le long de la pente abrupte et tombe dans la rivière Beau. Splouf! Le courant emporte Ursa. Ursa s'accroche à un tronc d'arbre qui flotte dans les rapides glacés. Elle finit par atteindre le berge. Ursa est seule pour la première fois de sa vie. Tout en secouant l'eau de son épaisse fourrure, Ursa aperçoit quelque chose qui bouge. Un tamia bien gras. Elle a justement besoin d'une bonne collation. Le tamia s'enfuit aussi vite qu'il le peut. Ursa le poursuit le long du ruisseau Johnson. Le tamia fait un bond pour se mettre à l'abri sous un buisson de baies. Ursa termine à peine sa première bouchée de baies quand qu'elle entend un cri. Oh, des humains! Oh! Ursa est entourée. Il s'agit d'un embouteillage causé par la faune. Les gens s'approchent beaucoup trop de cet ours. Appelons Parc Canada. Pou, 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 pou. Oui, allô, bonjour. Les gardiens de la faune arrivent et s'assurent que les visiteurs donnent à Ursa tout l'espace dont elle a besoin pour se sentir à l'aise. La foule recule
et observe l'ourson à une distance sécuritaire. Oursa court se mettre à l'abri dans la forêt. Je me demande où se trouve la maman ours. Un peu plus tard, Ursa voit un grand corbeau sauter sur une drôle de boîte. Quelque chose à l'intérieur dégage une bonne odeur. Miam! Ursa ne peut pas résister. Elle ouvre le couvercle et dévore le contenu. Des guimauves, des saucisses et des pains à hot dog, un paquet de bacon, du beurre d'arachide, de la moutarde et du ketchup et des biscuits! Miam, 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 miam. Un coup de vent ferme brusquement le couvercle. Ursa entend des humains à l'extérieur. Elle est terrifiée. Elle se tient silencieuse et immobile. Les humains prennent la glacière et la déposent à l'arrière de leur camion. Excuse-moi un moment. Le camion file à toute vitesse sur la promenade de la vallée de la Beau. Il roule trop vite pour permettre à Ursa de sauter. Il roule trop vite pour cette route. Aussitôt que le camion s'arrête, Ursa bondit hors de la glacière et se cache dans la forêt. Les humains s'aperçoivent qu'un ours a mangé de leur nourriture. Ils téléphonent à Parc Canada pour l'informer de la situation. Un agent de la faune arrive sur les lieux et installe un panneau pour informer le public de la présence d'ours dans le secteur. Dès qu'un ours a goûté de la nourriture humaine, il pourrait revenir pour en obtenir d'autres. Sur le sentier Finland, une chienne s'en laisse pour chasse oursa. Tout droit vers une coureuse portant des écouteurs boutons. Ursa se jette dans le ruisseau Echo pour s'échapper. Elle passe la nuit seule à grelotter de froid et se sent malade après avoir mangé toute cette nourriture humaine. Pendant ce temps, Maman Grizzly et Arctos parcourent la vallée de la Beau à la recherche de moindres signes d'Ursa. Ils cherchent dans les passages inférieurs pour les animaux et les passages supérieurs, jusqu'à ce qu'ils arrivent au lac Vermilion. Maman Grizzly perçoit finalement l'odeur d'Ursa. Elle suit sa piste le long du sentier Finland et dans le ruisseau Echo. Enfin, la famille est de nouveau réunie. Les mamans grizzlies sont parmi des meilleures mamans du monde. Maman grizzly dirige ses oursons vers une parcelle de pays mûre et juteuse. Je suis heureux de voir que cet ourson a retrouvé sa famille. Sa mère lui apprend à manger des aliments naturels. Voilà ce que doivent faire les ours. J'espère qu'elle pourra rester sur cette voie et qu'elle mènera la vie de nos sauvages et en santé. Et c'est ainsi que c'est terminé pour Ursa. Une bonne journée. Et maintenant que vous avez entendu l'histoire d'Ursa et que vous connaissez la loi de la faune, vous pouvez devenir des gardiens de la faune honoraires. C'est facile. On va faire une promesse ensemble. Ce sera la promesse de protéger les ours. Placez votre main droite sur votre cœur comme ceci et levez votre main gauche comme ceci. Et maintenant, répétez tout haut après moi.
Afin de préserver les ours de Banff, nous déclarons. Afin de préserver les ours de Banff, nous déclarons. Toute notre nourriture, en tout temps, nous rangerons. Toute notre nourriture, en tout temps, nous rangerons. Si, au bord de la route, un ours nous apercevons, si, au bord de la route, un ours nous apercevons. Ralentir, bien sûr, mais nous arrêter, non. Ralentir, bien sûr, mais nous arrêter, non. Parce qu'ils sont rares, sauvages et partout dans la région. Parce qu'ils sont rares, sauvages et partout dans la région. De protéger les ours, c'est une promesse que nous faisons. De protéger les ours. C'est une promesse que nous faisons. Super! Félicitations! Vous êtes maintenant des gardiens de la faune honoraires. J'espère que vous aurez la chance de visiter le parc national Banff en personne et que vous pourrez mettre en pratique tout ce que vous avez appris. Si vous voyez des adultes qui ne respectent pas la loi de la faune, vous pouvez leur rappeler ce qu'ils doivent faire. Et est-ce que vous voulez aider les ours quand vous serez grand? Joignez-vous à l'équipe de Parc Canada. Devenez un interprète de parc comme moi, une gardienne de la faune ou un agent de conservation des ressources. Et il me reste une minute ou deux pour répondre à vos questions sur les ours. Et je veux introduire Steve qui est ici pour me donner des questions. Est-ce que nous avons des questions, Steve? Oui, on a une question. Oui. Et c'est, à part des baies, oui? Qu'est-ce que les ours mangent? Ah oui, des ours mangent beaucoup de plantes, des racines. Ils mangent des insectes quelquefois. Et ils peuvent manger aussi des grands animaux comme des wapitis, des chèvres et même des mouflons. Nous avons des mouflons d'Amérique et même des chèvres. Alors, des petits animaux, des grands animaux, des insectes et beaucoup de plantes. OK, vous avez autre? Super. Comment est-ce que les ours se souvenir où ils ont trouvé déjà de la nourriture? Ah, les ours ont une mémoire, une bonne mémoire, comme les humains. Et ils se souviennent où ils trouvent de bonne nourriture, comme nous rappelons nos quartiers. Alors, on sait où se trouve le magasin. On sait où se trouve la piscine, par exemple, et on rappelle tout le quartier. Alors, c'est la même chose pour les ours. Ils se rappellent où se trouvent les bons endroits de baie, les bons endroits de l'eau fraîche. Alors, ils peuvent se rappeler de tout leur quartier. Merci, Steve. Autre question? Je pense que c'est tout le temps que nous avons. Alors, je veux vous remercier beaucoup. Merci pour partager votre temps avec nous, nos amis. Et bonne journée.